c'est le premier. Comme d'habitude, depuis le début de cette campagne, Vision Mondiale sensibilise dans le cadre de tables rondes. Comme ici à Ikissi, où toute la communauté locale est sensibilisée à travers ses divers représentants. Comme vous le savez, la maladie ou la pandémie est encore là présente. C'est un ennemi invisible auquel nous faisons face en ce moment. Nous continuons à sensibiliser les parents et les élèves, y compris les acteurs éducatifs, que cette pandémie existe, que nous devons prendre toutes les mesures pour essayer de combattre cette maladie. Parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement déjà déclaré. Et l'unique façon de lutter contre cette maladie, c'est la prévention. Et la prévention, c'est le respect des mesures barrières. C'est comme ça que nous sommes en train de conscientiser les parents à ce que les parents prennent les enfants en charge en respectant ces mesures barrières, le port de masques, le lavage de mains, ainsi de suite, tout ce qui est destiné à la lutte contre cette maladie. Cette lutte, c'est une lutte communautaire. Tous les membres de la communauté doivent s'impliquer dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 qui est encore avec nous, comme je venais de le dire. Et c'est comme ça que nous conscientisons au niveau des écoles que toutes les mesures prises l'année passée en rapport avec la lutte contre la pandémie soit d'application même pour cette année. Et d'ailleurs, nous continuons à le faire parce que les partenaires qui nous accompagnent, par exemple, demain, samedi, nous aurons à remettre les kits de lutte contre la pandémie, les kits qui nous ont été remis par notre partenaire UNICEF, qui a pensé à pouvoir aider les écoles avec les lave-mains, avec les savons. Et les écoles qui ont été sélectionnées d'Inkisisi auront ce kit-là demain pour dire que nous continuons à lutter. Mais la grande sensibilisation, c'est aussi les parents qui encadrent les enfants dans leur famille. Il ne faudrait pas qu'on néglige, parce que le président de la République a essayé un peu d'alléger certaines restrictions par rapport à cette pandémie. Et il y a un relâchement que nous sommes en train d'observer, que ce soit dans les comportements de nos enfants, que ce soit dans la vie courante à la cité, vous sentez rarement, vous trouvez maintenant les gens portés de masques. C'est pour dire que il y a ces dangers qui nous guettent quand les gens ne peuvent plus comprendre que la maladie est là et qu'on commence à relâcher pour reprendre la vie comme si il n'y avait plus rien qui existait dans notre pays. Et ça, nous sommes en train de continuer à encourager les parents et les acteurs éducatifs à ce qu'aucun professeur ne peut arriver à l'école sans le port de masque. Aucun élève ne peut être accepté à l'école s'il n'a pas le masque. Il s'agit comme toujours de l'observance des mesures de prévention contre la COVID-19 pour laquelle le changement de comportement s'impose, comme le souligne cet enseignant. Oui, c'est juste une façon pour nous de rappeler encore une fois aux enseignants et élèves aussi que la pandémie de la COVID-19 est bel et bien réelle. En cela s'ajoute également comment encore pérenniser les mesures barrières qui sont édictées par le ministère de la Santé et également approuvées par le gouvernement. Donc c'est alors que je voulais tout simplement rappeler aux enseignants le personnel de la Crée Blanche, de pouvoir encore pérenniser, garder encore cette conscience de pouvoir mettre en place toutes les mesures barrières, notamment de laver les mains, pourquoi pas aussi de garder un peu une distance entre les tableaux et les bancs des élèves. C'est une façon pour permettre aussi que les élèves soient protégés, quel que soit le cas, parce qu'on ne sait pas qui réellement et peut être porteur de ces virus. C'est alors que je rappelle encore une fois aux enseignants de pouvoir garder une attitude responsable permettant ainsi que les enfants et également les moments que nous passons à l'école soient un moment de sensibilisation encore aux enfants. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile
de pouvoir voir un élève de vous encadrer tomber malade ou vous-même enseignant tomber malade. Et c'est alors que c'était un moment crucial pour rappeler encore aux enseignants de bien vouloir respecter les gestes et barrières. Les hommes de médias sont également mis à l'épreuve. Dema Bishikwabo, journaliste, explique comment se déroule la sensibilisation dans cette localité. Que nos médias sont aussi appelés à diffuser très régulièrement. Donc, sur antenne, on sentait la présence de compositions pour tous militer contre la pandémie. C'est une occasion de remercier la Vision mondiale à travers le bureau national de la RD Congo et particulièrement notre bureau de Kisantu. Il y a aussi des amis de Mbanzangungu et autres. Il y a que la Vision qui a trouvé ce que nous faisions sur terrain, l'a intéressé et nous appuie depuis lors à travers un projet Unilever avec d'autres partenaires aussi qui s'associent. C'est grâce à eux que nous produisons des magazines, 12 le mois et 4 tables rondes. Et ce sont des magazines interactifs. La bataille pour l'éradication, la propagation de la pandémie à Covid-19 est rude et le projet, censé prendre fin quelques mois plus tôt, a dû être prolongé afin d'atteindre toute la population. Après 3 mois, ce n'est pas que le projet sera fini. C'est une livre qui peut être fermée, mais on va continuer les interventions avec nos projets de parrainage, nos programmes qui sont toujours là, que ce soit ici à Kisantu, que ce soit en Kandu, que ce soit à Loma, dans le Mbanzangungu. On va toujours continuer les interventions. Pour que les habitants ici s'imprègnent de cette réalité, il leur faut un dessin. Comme partout où l'équipe de Vision mondiale est passée, le docteur Christian Matondo s'emploie une fois de plus à expliquer comment cette maladie s'est propagée à travers le monde. J'aimerais d'abord ici, de prime abord, remercier Vision mondiale pour avoir organisé une table ronde très intéressante qui me surprend moi-même d'entrer en contact avec les chefs de localité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous avons l'impression d'être en contact direct avec la population par les biais de leurs représentants. Donc pour moi, c'est une satisfaction totale de cette table ronde qui s'est très bien passée. Et toutes les personnes qui ont été dans cette salle sont sorties, je pense même, transformées. Et ils ont reçu des notions qui semblaient être ignorées auparavant. Nous dirons qu'il y a eu un échange, l'auditoire était captif, dans le sens où nous avons reçu même des préoccupations troublantes, où nous sommes aujourd'hui conscients que la sensibilisation au niveau national que nous pensons réaliser, ce n'est pas la même chose au niveau ici local, parce que nous avons rencontré des gens qui s'étonnent de certaines notions de base de coronavirus. C'est ce qui nous fait mal. Et il y a eu même des échanges. Ils nous ont enrichis avec d'autres notions que nous nous semblait ignorer au niveau local. Donc c'était un échange captif. La plupart de la population parle d'être non sensibilisée. Ça c'est logique. Avec les conditions locales que nous avons trouvées ici sur place, c'est vrai que tout le monde n'a pas la radio, tout le monde n'a pas la télé, tout le monde n'a pas l'électricité. Mais qu'à cela ne tienne, une communication de proximité serait en tout cas la meilleure. C'est ce que nous demandons à nos amis journalistes de continuer, de ne pas baisser les bras. Il y a des radios communautaires, il y a des radios au marché. Donc ce sont des canaux, en tout cas, que je pense qu'on peut véhiculer le message facilement et atteindre la dernière couche de la population congolaise jusqu'au niveau local. Voilà. Les participants à la table ronde commentent ces assises dont ils vont devoir faire la restitution auprès de leurs proches. En fait, cette table ronde était bénéfique pour moi parce que j'ai bénéficié de tant de choses que je ne connaissais pas et maintenant j'ai acquis cette connaissance que je peux partager avec les autres sur le geste barrière, comment la maladie se propage, d'où elle vient, comment elle se transmet. La maladie existe encore et elle est toujours avec nous. Et apprenons à vivre avec elle tout en respectant les gestes barrières.